Bah écoutez, bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce live édition 33, la saison 3 des lives. Je savais pas que j'allais m'embarquer sur un truc comme ça en confinement il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et voilà, donc on va se retrouver tous ensemble. Je vois que vous rentrez tous de vacances, c'est cool, vous avez pu débloquer votre PEL au Club Med, vous avez pu utiliser un peu vos avoirs cet été. Pendant le générique, vous allez me dire juste d'où vous revenez. J'en ai vu qui revenaient de Bodrum, des trucs comme ça. Dans cette édition, nous allons parler de Djerba la douce, voilà, un petit crazy time, vous allez voir, très sympa. Je vais vous emmener sur le Club Med 2, ceux qui ne connaissent pas, vous allez tout voir, vous allez vous balader dans le bateau. Il va y avoir les news de la planète Club Med, je vais vous expliquer les fermetures, les ouvertures, les probabilités de... pour partir cet hiver. Il va y avoir un interview de Willy Boy. Ouais, je l'ai enfin, ça fait 1 an et demi que je le tanne. Et grâce à Delphine, j'ai vu qu'elle est connectée, qui était en vacances à Serre-Chevalier, elle a pu faire l'interview, j'ai pu faire le montage et je vais vous présenter des trucs très très sympas. Je commence toujours maintenant les lives, en plus du Crazy Time, par vous montrer un truc. Je vais vous montrer les anciens, j'ai retrouvé un vieux carton d'anciens t-shirts du club. Alors c'est vrai qu'à une époque on n'avait pas de goût, alors je vais commencer celui-là il était sympa, j'en ferai un toutes les semaines, je sais pas s'il y en a qui l'ont eu. C'était quand même la grande classe de la discrétion, voilà. Je l'ai porté, hein, je sais pas s'il y en a qui l'ont porté aussi. Alors, il y a un petit décalage d'une minute, je pense, donc vous allez réagir après. Voilà, c'était quand même la grande classe. Et c'était bien un t-shirt Club Med. Hein, c'était. Ouais, comme quoi, des fois, quand on est jeune, on peut avoir mauvais goût. Hein. Bon, allez, c'est parti, générique, saison 3, go! Alors je regarde dans les commentaires d'où vous revenez, il y en a qui sont à Yasmina, il y en a qui ont été à Palmyre Atlantique, il y en a qui ont été très contents, j'ai passé pas mal de vidéos cet été aussi de la Palmyre Atlantique, Tchéfalou, je regarde Philippe, Annette, Caroline Lega, Punta Cana et Marrakech, ouais c'est bien, pas mal, un bel été. Il y en a qui n'ont pas fait le club cet été, mais c'est peut-être que partie remise. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était en direct de Punta Cana. Voilà, peut-être dans la chambre avant de s'habiller. Je sais plus comment c'est au niveau du décalage horaire. Donc, comme tous les lives, on va commencer par un petit crazy time. Et je voulais faire un petit clin d'œil à l'équipe de Djerba la Douce qui a malheureusement dû fermer le village au bout de 3 semaines. Ça partait sur une super ambiance. J'avais eu un interview de Daniel Radig qui m'avait fait l'honneur de faire un petit interview avant d'ouvrir le village. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment de leur faire un clin d'œil, de montrer l'ambiance de malade qu'avait Djerba la Douce. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu l'occasion d'aller à Djerba la Douce. Je continue à avoir vos commentaires qui arrivent. Il y en a qui ont été à Grégo, Gilles, il est au Québec. À Québec, j'espère que tu pourras aller à Charlevoix, le nouveau village, pour me dire comment c'est tout ça. Delphine Schaff, les arcs panorama en août. Laurence, au resto à Punta, il est 13h. Oh, bah c'est génial de regarder au resto, c'est dingue, il y a internet maintenant. Donc il est 13h. Bah, bon appétit ou bon café, je sais pas ce que tu vas faire. Et puis bonne plage cet après-midi. Il y en a qui sont à Palmyre, ok. Ok, bah super. Bah écoutez, c'est parti, Crazy Time. Je vous emmène à Djerba la Douce et c'est vrai que c'était le feu. Bisous à Daniel et à toute l'équipe et à Kevin aussi, je sais qu'il regarde les lives. Hey!
Attention tout le monde à la moto. Tu recules là. C'est vrai que ça fout un peu les boules de voir qu'une aussi belle saison qui était partie, voilà, et fermer le village. Voilà. Bon, je sais qu'il y en a qui ont eu l'occasion d'y aller et qui m'avaient dit que c'était super. Je vois que vous commencez à poser plein de questions. J'y répondrai dans les news. Il y en a qui posent des questions sur Capskiring, tout ça. J'y répondrai dans les news. Évidemment, derrière moi, on est sur quoi? On est sur le Club Med 2. Il y en a qui connaissent peut-être le bateau. Il y en a qui le connaissent pas. Il y a peut-être qui se disent oui, mais ça se trouve, c'est que des vieux, tout ça. Non, je vous assure, le Club Med 2, c'est une super ambiance. C'est convivial. C'est un village sur l'eau. Donc voilà, je vous ai tourné un. J'ai tourné plusieurs reportages que je diffuserai dans les prochains lives. Donc là, c'est une petite balade à l'intérieur du bateau. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas vont voir comment est le bateau, comment ça se déroule une journée type. Et bien voilà, je vous emmène sur le Club Med 2. Voilà, vous pouvez regarder tranquillement, vous allez voir. Et ceux qui connaissent le bateau, bah, ça va leur rappeler de très très bons souvenirs. Alors vous inquiétez pas, au début, je vais vous demander de mettre des pouces en l'air, des choses comme ça. Je tourne les vidéos pour YouTube en avance aussi. Donc cette vidéo sera évidemment sur YouTube. Donc vous inquiétez pas de dire, mais comment je mets les pouces? Bon, ouais, ça y est, c'est parti. Le Club Med 2, c'est parti. Je vous souhaite une très bonne navigation. Eh bien écoutez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur le Club Med 2. Je vous ai préparé un petit reportage pour ceux qui se demandent comment ça se passe sur le bateau, une journée type, une semaine type. Voilà, je vais vous montrer le restaurant, le pont, l'ambiance, vous allez tout voir dans cette vidéo. Si vous voulez me récompenser et me permettre de faire de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Et vous pouvez également me lâcher un petit pouce en l'air. Et bien pour simplement pour dire que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez envie que j'en fasse de nouvelles. Sur ce, je vous fais 45 bisous et je vous dis bon visionnage.
Écoutez, c'était un petit reportage sur le Club Med 2. Je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait cet été avec Hugo et Bianca, qui sont adjointes. Il y en a qui ont passé des super moments. Et c'est vrai qu'on est sur ce bateau, qu'on part du port, enfin ceux qui l'ont fait le savent. Merci Marie-France d'Aqua de me dire que c'est une très belle vidéo. On se sent super privilégié quand le bateau part. Et je peux vous dire que les gens sur le quai, ils regardent. C'est un bateau qui est majestueux, qui est magnifique. Ouais, enfin, le problème, c'est que voilà, que vous voyez comment je vous en parle. Le problème de ce bateau, c'est quand on y a goûté, on n'arrive plus à s'en passer. Et ben on va continuer maintenant avec un reportage avec notre ami Willy Boy. Voilà, un animateur. Il y en a peut-être qui l'ont connu. Il y en a qui sont fans de Willy Boy. Moi, je l'ai vu en village et personnellement, j'étais fan. C'est un animateur qui a la patate. C'est un animateur. On sait que c'est l'animateur du village parce que des fois, on se dit, mais c'est qui l'animateur? Willy Boy, si vous l'avez eu dans un village, vous vous en souvenez. Je regarde, voilà, c'est un petit décalage toujours de 30-40 secondes. Je vois qu'il y a certains qui me parlent, qui me disent merci, merci pour la vidéo du Club Med 2. Ouais, elle sera disponible sur YouTube aussi si vous voulez la revoir. Si vous voulez déprimer chez vous, vous pourrez la regarder. Moi, je la regarde tous les soirs maintenant. Et donc, je vous parle de Willy Boy. Voilà, donc j'ai Delphine qui est en ligne, voilà, qui est super sympa, qui m'a permis d'enregistrer une interview. Il y a d'autres aussi, GM, pendant leurs vacances, qui m'ont fait des interviews de Géo. Donc, c'est super sympa. Et puis, c'est en condition, c'est top. Donc, c'était très, très sympa. Donc voilà pour Willy Boy, il y en a qui parlent qui disent qu'il adore Willy Boy, ouais, Willy Boy est très très aimé et voilà, bah vous avez l'occasion. J'avais en plus des vidéos d'archives, j'ai contacté aussi DGO, je pense que quand il verra la vidéo, il y a certaines images que j'ai mis dans les vidéos, il va se demander mais comment je les ai eues. Et Amélie Van Peer qui dit c'est le problème du club, dès qu'on y goûte, on peut plus s'en passer. C'est un petit peu le problème du Club Med, voilà. C'est parti, Willy Boy, reportage. Willy Boy. Oui. Willy Boy, retourne-toi, ici, ici. Ah, c'est là. Bonjour à Jean-Baptiste et à tous ceux et celles qui le suivent. Eh bien, écoute, depuis 32 ans, bientôt 33, je suis responsable farce et attrape. En deux mots, je suis animateur. Sans la vie, tu ressembles à rien. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement... Non, farce ça. Oh là là, ils vont vite. Le Canada. Et... Oh là là. Je travaillais sur énergie, enfin en freelance. Et puis je faisais beaucoup de soirées étudiantes. Et un jour, en dépannant une jeune fille sur une péniche à côté, alors que moi j'avais ma soirée, eh bien Monsieur Fournier m'a parlé du Club Méditerranée et en remerciement du dépannage que j'avais fait pour sa fille, pour reprendre cette soirée, pour lui sauver sa soirée, je suis rentré au club donc en 89. Il n'y a que des bons souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Comme beaucoup de géos à l'époque, on voyageait, on faisait les 4-5 continents. Moi, comme je n'étais pas très fort dans les langues, c'est surtout le côté francophone que j'ai. Donc je faisais les villages fréquentés par les Français, les Belges et les Suisses surtout, et parfois nos amis italiens. Et on va dire que je faisais beaucoup l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, et bien sûr la Méditerranée. Peut-être un des meilleurs souvenirs, c'est que à cause, par exemple, en Grèce, les gens partaient, et le jour du départ, il n'y avait pas le chef de village et pas l'animateur, mais sur la route, 10 km plus loin, en contrebas, et bien j'étais habillé en Louis de Funès, j'arrêtais les bus, et le chef de village attendait avec l'équipe, fraises et champagne, et donc on disait au revoir au GM, et c'était les belles années comme le club le savait le faire. J'en ai eu plusieurs. On a été en Côte d'Ivoire avec un Belge, Bruno Guilardi. On a dû être évacué puisque c'était la guerre civile, donc il a fallu partir vite du village. On a été aussi avec J.C. Maillet. On a eu une tempête, ouragan aussi, au Boucanier. La fameuse bombe à Arziv en Israël en 95, qui m'a beaucoup marqué à l'époque, puisqu'on a dû aussi évacuer le village. Mais c'est normal quand 32, 33 ans de vie, c'est comme un pompier, un militaire ou d'autres. Il y a eu bien sûr des points négatifs, mais il y a eu tellement de points positifs, donc voilà, on tiendra ça. On est dimanche matin, 3, 2, 1. C'est bon, c'est chaud, avec l'équipe Géo. C'est bon, c'est chaud, à Serge Chevalier. J'en ai plusieurs.
je veux pas être très original, pour moi c'est quand même le Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier, dans les années 80, parce que c'est celui qui représente les vagues, le club méditerranéen, celui qu'on aime. Alors c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil nostalgique, dans le temps il y avait plus de 120 villages sous Gilbert Trigano et sous bien sûr Gérard Blitz, 120 villages dont 60 en Méditerranée. Aujourd'hui on en a plus que 60 avec la nouvelle direction et à peine 6 en Méditerranée, c'est bien dommage. Il en reste un à Grégo, je crois, en Grèce, 2 en Sicile, 1 à Djerba en Tunisie, la Turquie est fermée. Et malheureusement, vous savez, comme je suis d'origine bourguignonne et corse, les deux de Corse, Cagès et Sant'Ambrogio, sont fermés. Ça m'a fait beaucoup de mal, puisque, comme je viens de vous le dire, sur 60 villages, quand même, il faut se poser des bonnes questions. On s'appelle Club Med, il y en a moins de 6 en Méditerranée. C'est dommage. Alors, ça va être rapide. Je suis très sincère, je passe un coucou à tous les GEM qui sont fidèles au club depuis des années, qui des fois on a fait avaler certaines couleuvres, qui nous restent fidèles, et à tous les GEO avec qui j'ai été collègue dans tous les villages, et même y compris les chefs de village. Et à tous ces gens-là, j'aimerais que la nouvelle direction, même s'ils font des villages en Chine, aux Seychelles, au bout du monde, même sur Mars, pourquoi pas, moi j'irai pas, mais qu'ils gardent des villages francophones autour de la Méditerranée et qu'ils nous laissent 2-3 villages, entre guillemets, vintage, à l'ancienne, rien que par récompense. Et ça ne dérangera pas la politique du club de cette montée en gamme, qui est une belle politique, mais 2-3 villages un petit peu pour les nostalgiques, vintage, comme le font d'autres marques pour les voitures et tout. On peut avoir encore aujourd'hui 2-3 villages vintage. 3 tridents, pourquoi pas, comme celui qui est derrière moi, à Serre Chevalier. Oui, ton micro, il ne marche pas. Il y a un problème technique, t'as pas de micro. Comment je vais faire pour chanter? J'étais venu monter une petite chanson. On s'en fout, de toute façon, tu chantes mal. Donc. Welcome to the main event of tonight. Le numéro qui a rendu Willy Boy célèbre à Las Vegas. Vas-y, Boris, vas-y. Merci Delphine, JB, gros bisous à tous et à toutes. Et comme on dit chez moi, pache salut. Voilà pour la petite vidéo de Willy Boy. Ouais, je me suis demandé si je la diffusais parce qu'il a envie de dire des trucs. Après, c'est plutôt constructif, je trouve qu'il aimerait bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de marques de voitures qui le font, qui gardent des expériences vintage. On voit Fiat qui fait ça. Enfin, il y a plein de marques qui font ça. Pourquoi pas le Club Med? Alors je dis pas aller jusqu'à un village de casse parce qu'on est tous en train de se dire des fois ouais, faudrait revenir à l'origine du club. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on nous remettrait dans le village de casse, les sanitaires à 19h le soir avec la queue. Je pense pas qu'on serait nombreux à le faire. Voilà, désolé pour cette coupure. Encore merci Delphine pour ce reportage. Gardons des villages, 3 tridents. D'ailleurs les tridents, je vais vous en parler dans les 2-3 lives. Je vais vous apprendre des choses assez intéressantes. C'est parti, les news de la planète Club Med. Alors il y en a des bonnes et des moins bonnes, et je vous promets, je suis pas un apporteur de mauvaises nouvelles, j'aime pas du tout apporter des mauvaises nouvelles, mais voilà, j'ai fait une petite météo de où partir cet hiver. Remercie toujours toutes les personnes qui continuent à faire des Tipeee. Bon, voilà, entre juin et juillet, il n'y a pas grand-chose, il y a eu 9 euros. Je ne vais pas aller loin avec ça parce que c'est un peu comme une voiture ou comme l'électricité. Même quand on est en vacances, on continue à payer les serveurs, le site web, le streaming, tout ça. Donc, continuez à participer à des Tipeee. Aujourd'hui, je vais pas lancer la roue pour faire quelque chose parce qu'il n'y a que 2 personnes. Voilà, donc je la relancerai dans 2 semaines quand on fera un nouveau live. Merci à tous ceux en tout cas qui ont contribué et ceux qui vont continuer à contribuer. Mettre 1 euro tous les mois, c'est rien du tout. Voilà, c'était la page publicité. Une petite news qui est arrivée et voilà, il y en a que ça a beaucoup surpris. À Cancun, l'activité ski nautique a été supprimée. Voilà, alors apparemment,
C'est pour préserver la faune aussi sur le site de Cancun. C'est pour un côté écologique aussi. En tout cas, ça a surpris pas mal de personnes qui sont allées à Cancun. On leur a dit que l'activité ski nautique n'existe plus. Voilà, et j'ai regardé dans le nouveau catalogue, dans une brochure, ça ne figure plus. Voilà, l'activité ski nautique à Cancun, terminée. Voilà, je voulais vous parler de Henri Giscard d'Estaing, le président du club, ça vous le savez quand même, qui a été présent énormément dans tous les médias, sur BFM, sur Europe 1, enfin il a plein de reportages. Et donc du coup je me suis dit je vais vous enregistrer parce qu'on peut pas être toujours, en plus c'est des reportages qui passent à 13h, à 14h, voilà, je me suis dit je vais vous faire un petit best-of d'une interview qu'il a fait à Europe 1. Alors ça a duré 50 minutes, je voulais condenser en 3 minutes, j'espère que ça va pas couper parce que j'ai l'impression que quand les vidéos sont longues, ça coupe. Bon, je vous croise les doigts, voilà un petit condensé des 50 minutes, j'ai regardé un peu tout et je vous ai fait une petite synthèse de tout ça. C'est parti, Henri Giscard d'Estaing sur Europe 1. Bonjour Henri Giscard d'Estaing. Bonjour. Alors comment ça s'est passé, là, cet été 2021? C'est un été qui est encourageant. C'est pas l'été encore facile, puisque nous avons certes pu ouvrir un peu plus de 40 Club Med dans le monde, mais il y a 2 ans c'était 51, et l'année dernière ce n'était que 27. C'est ça, parce que quand un commerçant, entre guillemets, si je peux vous présenter ainsi, dit un été satisfaisant, généralement c'est que c'est mieux que ce qui était prévu. Est-ce que c'est le cas quand même? Est-ce que si on s'était vu en avril, si le bilan était celui qui est celui d'aujourd'hui, vous vous diriez, ouais, on a fait un poil mieux quand même que ce qu'on pensait à un moment? Oh, on a fait même plus qu'un poil mieux, parce qu'en avril, on était encore tous enfermés. Bien sûr. Donc, et on ne savait pas ce qui allait se passer, il n'y avait pas encore le pass sanitaire, des bonheurs là-dessus, et on n'avait pas encore l'idée que la vaccination pouvait quand même aider les choses. Vous avez été très précurseur sur cette histoire de pass sanitaire, parce que vous, dès le début, il y a 3 mois, avant que tout le monde n'en parle, vous avez avancé vos pions comme ça, vous avez dit, nous, on va ouvrir nos resorts, comme vous dites, on va ouvrir nos villages, avec la mise en place d'un pass sanitaire. Ça n'avait pas été très bien accueilli d'ailleurs. Alors, ça avait été bien accueilli par nos clients. Oui, par les clients. On l'a mis en place pendant une semaine avant que le Parlement décide et le gouvernement autrement. Et nos clients l'avaient très bien compris et très bien accepté parce qu'ils voyaient que c'était une mesure qui pouvait leur permettre de passer des vacances l'esprit libre. Et dans le fond, de quoi a-t-on envie? C'est de pouvoir enfin partir en vacances et le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Le ensemble en sécurité, quand on va au Club Med, parce que le Club Med, c'est quand même faire du sport ensemble, c'est quand même manger dans de certes grandes salles de restauration, mais on va tous au buffet ensemble. Qu'est-ce que ça change dans l'expérience Club Med? Parce que c'est votre défi à vous et à plein d'autres dans le secteur du tourisme. Il faut quand même pas dégrader. Surtout que bon, ça coûte quand même très cher d'aller au Club Med, donc ce serait bien que ça dégrade pas l'expérience quand même. Alors par exemple, ça nous a conduit à ouvrir nos restaurants plus longtemps pour pouvoir étaler leur fréquentation. Donc ça veut dire qu'il y a des jauges dans les restaurants des villages Club Med? Il y a de fait des jauges, enfin l'application notamment des distances entre les tables, de nombre de personnes à table, très lisse. Vous disiez que du coup, grâce à tout cela, en partie, en France, ça a bien marché cet été. Plus que jamais, vous avez été sur des réservations de dernière minute, quelques jours avant, en fonction des places que vous aviez disponibles, vous avez eu des réservations inédites, entre guillemets. Alors, la reprise s'est faite, je l'ai dit, en mai-juin. Où là, on a donc retrouvé des niveaux de réservation très nettement supérieurs à ce qu'ils étaient en mai-juin d'il y a 2 ans. Mais qui partait d'une base quasiment de zéro, parce que les gens ne savaient pas en avril qu'ils pourraient même partir en vacances. Ensuite, tout au long de cet été, on a vu en effet des réservations de dernière minute. Mais, je dois le dire, c'est quand même pour nous une bonne nouvelle, on a été plus en mesure de les accueillir, parce que nos clubs aides, notamment... Vous avez affiché complet dans certains clubs. Ah oui, dans la plupart. Mais quand vous dites que vous ne pouviez plus les accueillir, ça veut dire, est-ce que vous aviez la même capacité qu'il y a 2 ans, ou à cause des contraintes sanitaires, vous avez réduit le nombre de personnes? Alors, il y avait 2 choses. D'une part, il y a un certain nombre de villages que nous n'avons pas pu ouvrir, et d'autres que nous n'avons pas pu garder ouverts, comme les deux des Antilles françaises. Donc, notre capacité sur l'été, mondialement, est inférieure de plus de 25% à ce qu'elle était il y a 2 ans. Demain, il est essentiel, en effet, de faire revenir les étrangers en France. Quitte à casser les prix pour les faire revenir pour... Non, il n'y a pas besoin de casser les prix. Ce n'est pas ça aujourd'hui qui est la préoccupation. La préoccupation, c'est de délivrer une expérience de qualité dans un environnement sécurisé. C'est ça l'attente aujourd'hui. L'envie de voyager,
L'envie de prendre des vacances, l'envie de liberté après avoir été enfermé, elle est plus forte que jamais. Alors bah tiens, justement, vu qu'on a envie de voyager, il y a 65 km je crois quand tout est à peu près ouvert, il en faut peut-être un petit peu plus, vu qu'on a envie de voyager, qu'il y a de nouveau la population qui a envie d'arriver. Vous allez en ouvrir d'autres ? Oui, ça a été une des choses qui a été ma préoccupation, mon obsession, dirais-je, dans cette période très, très difficile et très compliquée. Bah, c'était d'abord de traverser la crise, il a fallu prendre toutes sortes de mesures, et elles n'étaient pas simples, ni souvent pas agréables, mais nécessaires. Et l'autre, c'était de préserver l'avenir. Et on a quand même réussi, cette année, à ouvrir 4 nouveaux Club Med. Un en France, qu'en réalité on n'a pas pu ouvrir, mais en hiver, mais qu'on a ouvert cet été, un nouveau Club Med dans les Alpes, à La Rosière, dans un formidable site, et qui est d'ailleurs un succès remarquable cet été, et que nous allons ouvrir l'hiver prochain, pour en faire un grand succès pour les sports de glisse. Et puis nous avons ouvert un nouveau Club Med aux Seychelles, ce qui, dans cette période, était aussi, pas clair, un exploit. Qui a fonctionné au départ sur une clientèle particulière, la clientèle russe, la clientèle israélienne, la clientèle des Émirats, qui étaient les seuls qui avaient le droit d'y aller, qui maintenant est ouvert à tous, puisque c'est un pays qui est aussi très vacciné. Est-ce que vous allez continuer à en ouvrir, au-delà de ces 4 que vous avez réussi à ouvrir ? Eh bien, on en ouvre encore 2 d'ici la fin de l'année. Un en Chine, dans le Yunnan, aux portes de l'Himalaya, dans une destination exceptionnelle, les plus grandes destinations chinoises, qui s'appelle Lijiang. Et puis, à l'autre bout du monde, au Canada, au Québec, où nous allons ouvrir notre premier Club Med de la belle province, et qui sera un Club Med de ski, au bord du Saint-Laurent, à Charlevoix, dans ce qui est l'endroit le plus typique du Québec. Et vous avez d'autres destinations inédites à nous donner ? Et puis l'année prochaine, on continue. Allez, une autre. Alors encore. Ce sera plus près, à Marbella, en Espagne, où le Club Med va revenir. Oui, parce qu'il était déjà présent à une époque. Exactement, il y a très longtemps. Et bien là, on l'a entièrement reconstruit et il sera... Il y a un Club Med neuf, donc, à Marbella. Évidemment, il parle des deux nouveaux villages qui vont ouvrir. Il y a Charlevoix et Marbella. Marbella, je vous en parlerai dans un prochain live. Les travaux avancent super, super vite. J'ai eu des vidéos. Il y a plus de 200 ouvriers qui sont à fond sur le chantier. Donc là, je pense que cette année, en juin 2022, le village de Marbella sera bien ouvert. Tiens, je vais vous parler des infos que ça intéresse peut-être certains d'entre vous, de toutes les rénovations, modernisations de villages qui vont avoir lieu. Entre 2022 et 2024, voilà, donc la société Les Boucaniers, c'est un village qui est exploité depuis 1969. Et bon, vous savez tous pertinemment qu'il a dû fermer encore à nouveau cet été, qu'il est resté fermé pendant plus de 15 mois. Et donc, c'est l'occasion peut-être de se poser des questions, et ce que j'ai lu dans la presse, pour rénover le village. Donc, la dernière rénovation, elle date de 2004, j'ai fait des recherches. Et le club souhaite réinvestir dans le village pour le relancer sur les années à venir. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Alors le projet de rénovation et d'extension envisagé à ce stade comprend la création d'une nouvelle zone zen oasis au sein du village, de 56 nouvelles chambres, suites et chambres de luxe uniquement apparemment. Et il y aura aussi une piscine calme, voilà. On parle aussi de la rénovation de l'intégralité des constructions existantes, à savoir les chambres, le bar, le restaurant et tous les espaces extérieurs des boucaniers. Voilà, le coût total estimé de l'opération serait de 35 millions d'euros dans l'objectif de rouvrir le village rénové et d'agrandir d'ici 3 ans en 2024. Alors, j'ai lu aussi un autre article où ils expliquent que les responsables affirment que la quasi-totalité des travaux pourraient être réalisés tout en gardant le village ouvert et qu'aucune période de rupture d'exploitation, sauf évidemment en période Covid comme en ce moment, n'est donc prévue. Donc ils informent que l'ensemble de ces actions devrait permettre dès 2024 de réinscrire le village des Club Med dans une nouvelle dynamique, un village agrandi, rénové et pour être exploité depuis de très nombreuses années futures. Voilà. Alors j'ai vu des vidéos la semaine dernière, il y avait des gens qui étaient en voyage à Grégolimano. Apparemment il a plu, il y avait de l'eau dans les chambres, les GE, ils étaient en train d'éponger un peu partout, enfin c'était un petit peu compliqué. Donc le village va être agrandi et rénové, voilà, ça a été signé. Rénovation apparemment de toutes les chambres où il n'y a qu'une seule prise de courant. C'est vrai que de nos jours, avec tous les iPads, les téléphones, les choses comme ça, une prise de courant, c'est un peu tendu. Le restaurant va être refait. On parle peut-être d'un spa 5 mondes. Voilà, ils sont en train de réfléchir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent à Grégolimano
la création d'un spa, construction de deux piscines, une au mini-club et une piscine zen dans la Pinède. Et il y aura également aussi la construction de suites. Donc ça ne sera pas fait, évidemment, juste à la fermeture en hiver là. Ça va être fait, ça va s'étaler sur deux ou trois saisons, voilà, juste pendant les périodes de fermeture, parce qu'ils veulent quand même exploiter le village sur les étés, à chaque fois sur les saisons. Vitel l'Hermitage également, il va être rénové en 2022. Alors il y a pas mal de les chambres vont être rénovées, la partie, tout le salon, tout ça, ils vont changer les couleurs, des choses comme ça. Je vous montrerai des maquettes dans les prochains lives, ça va être super chouette. Le restaurant aussi va être refait. Et en fait, ils vont créer à côté de la terrasse une grande verrière. Je pense que c'est pouvoir peut-être plus l'exploiter, même l'hiver quand il fait froid. Et ils vont créer une grande verrière. Voilà, je vous montrerai des photos. Voilà, inédites encore bientôt. Pour l'instant, je peux pas vous les diffuser. Mais voilà, il va y avoir une grande verrière de créer. Je pense que ça permettra d'être carrément face au golf. Et peut-être d'ouvrir le village en octobre, en novembre, quand il fait des moins bonnes périodes ou il fait plus froid. Donc ça peut être très très sympa. Sur le village de Vitel l'Hermitage. Cap Skiring, alors j'ai eu des informations parce que je voulais savoir les travaux que j'avais, pour lesquels je vous avais informé il y a presque un an déjà, où il devait y avoir une piscine qui allait être construite sur la plage, tout ça. Bon, alors là, les travaux, j'ai posé des questions, il n'y a pas de travaux, voilà, c'est pas lancé, il n'y a rien du tout. Alors c'est vrai qu'ils étaient en Covid aussi, comme tout le monde. Actuellement, il y a la rénovation de la piste d'atterrissage, voilà, c'est un certain qui devait aller à Cap Skiring. Et donc il rouvrait le 5 décembre, alors il rénove la piste d'atterrissage, c'est quelque chose qui est totalement indépendant du club. Et donc bah, pour l'instant le village, bah, il n'ouvrira pas avant le 5 décembre. Je vois qu'il y en a qui posent des questions sur Troya, je referai un point sur les prochains villages, les prochaines ouvertures, les prochains scoops. Mais il y a plein de choses qui sont en stand-by, notamment, et vous êtes nombreux à me poser la question, je l'ai vu passer l'autre jour, sur l'ouverture du village de Sinai Bay. C'était dans les tuyaux, c'était bien parti, et boum, le Covid est arrivé, donc je sais qu'il y en a certains qui se disent « Mais Sinai Bay, tu avais annoncé, ça devait ouvrir ?» Oui, le village devait ouvrir, mais bon, suite avec le Covid, il y a plein de projets, il y en a à Venise, il y en avait un à Troya, il y en a un à Saraba, au Sénégal, enfin il y a plein de projets et je ferai un point et je vais essayer de... Le plus dur c'est de vous donner des bonnes informations et de rechercher et de voir si les dossiers de chantier sont déposés. Camarina, alors voilà, là pour l'instant, entre guillemets, apparemment il l'exploiterait encore l'année prochaine. Voilà, c'est une information que j'ai eue sur le village de Camarina, à prendre entre les guillemets, mais apparemment il garderait encore une année. Je pense qu'en période de Covid, pour avoir des villages aussi dans le bassin méditerranéen, peut-être. Quelqu'un pose la question, ça tombe bien, je vais répondre. Serre Chevalier, voilà, j'ai eu l'information, en 2023, les plans sont pratiquement finalisés, le village va être totalement rénové. Alors, est-ce que ça sera un 3 tridents ou un 4 tridents? Pareil, je vous parlerai dans un prochain live, parce que les tridents, il va y avoir du changement, voilà. Question que tout le monde se pose, et moi le premier, où partir cet hiver? Alors, plutôt que vous donner des dates, des choses comme ça qui changent souvent, je les ai quand même indiquées. J'ai mis un indice, voilà, un petit bonhomme avec un sourire où là je me dis bon ça c'est sûr, ça va fonctionner. Et un bonhomme un petit peu plus triste où moi je me dis bah je miserai pas, voilà, je miserai pas sur un départ sur un village comme ça. Donc dans les villages entre guillemets, il y a Albion, donc il y a une ouverture le 9 octobre. Moi au niveau de l'île Maurice j'y crois pas trop, voilà, il y a des... Voilà, c'est un coup ça ouvre, un coup ça ouvre pas. Voilà, il y a Bali le 1er octobre, Cap Skiring Sénégal qui doit ouvrir le 5 décembre. Moi j'écris ça, c'est sous toute réserve, hein. c'est moi qui vous mets cette information. Pour moi, Cap Skiring ne verra pas cette saison. La Caravelle, Guadeloupe le 23 octobre. Moi je penserais plutôt sur du décembre. Et d'ailleurs, il y a un Régis Cardestin qu'on a parlé sur une autre radio. Il a dit qu'au niveau des Antilles françaises, il voyait ça plutôt sur du décembre. La Pointe au Canonnier, 16 octobre. Voilà, moi je dirais plutôt décembre, voire je sais pas, ça va être compliqué sur le niveau de l'île Maurice. Les Boucaniers, Martinique le 16 octobre, pareil, moi je verrais plutôt du décembre. Je suis pas voyant hein, comme ceux qui sont dans les commentaires. Phuket, 12 février 2022, et le Club Med 2, bah moi pour les croisières en zone Caraïbes, j'y crois pas trop parce que généralement il fait la transat et après il sillonne les eaux au niveau des Caraïbes. Et bon, s'il y a des soucis en Guadeloupe, en Martinique, je sais pas sur quel port le Club Med va avoir des autorisations et je pense que ça va me paraître compliqué. Il y a quelqu'un qui dit, Franck, qui dit réservation à Caravelle pour mai 2022, j'ai vu large. Ouais, je pense que tu as eu raison parce que je pense qu'il y aura un petit peu des déceptions.
Au niveau des trucs super safe, je pense, voilà, je suis convaincu que ça va, qu'elle va s'ouvrir, que ça va mal fonctionner. Je pense que cette saison d'hiver, les villages montagnes, voilà, vont être ouverts. Il y a le nouveau village de Charlevoix au Québec qui va ouvrir. Dabalaya, c'est safe pour les vacances de la Toussaint. La Palmyre Atlantique, Cancun, Cani, Michès, Marrakech, Punta Cana et les Seychelles. Voilà, Olivier, il parle de l'Amazonie en février 2022. Moi, j'y crois pas trop. Voilà. Après, c'est sûr que le Club Med, il a qu'une envie, c'est de faire partir le bateau et que tout le monde soit content sur le bateau. Mais j'y crois pas trop. D'ailleurs, apparemment, il y a des gens qui ont des résas sur le bateau en octobre qui commencent à avoir des mails où on leur dit il risque d'y avoir des changements, des choses comme ça. Comme toujours, je vous dis, il y a des lives, il y a une page Instagram, il y a une page Facebook, mais vous pouvez aller sur le site, il y a un forum de discussion, mais il y a des pages avec des articles, et voilà, il y a des infos en temps réel, des scoops, des choses que je mets, parce que des fois, ça m'arrive dans les lives, vous l'avez vu plusieurs fois, je donne des informations, et 10 minutes après, j'entends la télé, boum, et tout change. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, et dans le forum de discussion, vous verrez, il y a plein d'informations, très utiles sur tous les départs, toutes les fermetures, et des fois, des choses qui arrivent comme ça à la dernière minute. Voilà pour ce live édition 33 qui a été un petit peu chaotique. Je suis désolé pour cette coupure, je vois même pas pourquoi il y a eu une coupure comme ça en plein milieu du live. Je vous remercie toujours à tous de votre présence sur les lives et vous êtes fidèles. Finalement, on est monté à 217 personnes, donc c'est plutôt très bon score pour moi, je suis très très content. Vous pouvez retrouver tous ces lives pour ceux qui font des Tipeee ou ceux qui sont VIP en replay dès un quart d'heure, voilà, en version complète, et vous pouvez le regarder chez vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live le lundi 27 septembre à 21h et pas le dimanche parce que le week-end, je retourne à Vittel-l'Ermitage. Donc s'il y a des gens qui y sont, n'hésitez pas à venir me voir. Tiens, d'ailleurs, je tenais à remercier tous les gens qui me font des coucous en village, ça me fait super plaisir. Alors c'est vrai qu'avant j'étais très discret, on ne savait pas forcément le visage que j'avais. Maintenant, j'ai rencontré plein de gens sur le Club Med 2 voilà, qui me faisaient des coucous. Donc voilà, si vous êtes à Vittel-l'Ermitage, n'hésitez pas à me faire un coucou, j'y serai le 24, 25, 26, voilà, sur le week-end. Bisous à vous, je vous fais 45 bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, merci d'être au rendez-vous. Et c'est tout. 45 bisous, restez club et portez-vous bien. Ciao.